Conformément aux instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, et selon l'orientation de la gouverneure de Provence, Fifi Masuka Sayuni, le ministre Lualabé de l'Intérieur et Sécurité, Roy Komba Mayonde Philippe, a poursuivi la mission de démantèlement des barrières illicites. Ce samedi 14 septembre, le patron de la sécurité était à plus de 80 km au cœur du Lualaba profond, précisément sur la route Kisangala, où trois barrières illégales ont été supprimées sur l'ordre de son excellence, Roy Komba Mayonde Philippe. Boza na entreprise na bino bocha barrière na bino na kati ya concession na bino na balabala na boyi yango na lobi balongo la barrière oyo. Tout de suite, c'est une joie dans les chefs de creuseurs qui paient 80 000 francs congolais à chaque passage du petit véhicule des minéraux. La deuxième barrière supprimée, le ministre n'a pas su s'exprimer tellement. Les exploitants artisanaux chantaient et remerciaient la gouverneure Fifi Masuka Sayuni d'avoir envoyé une autorité qui comprend le sens profond de sa mission. Et ensuite, c'est des chants aux louanges du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo d'avoir une bonne équipe au Lualaba. À quelques jeunes de l'INAFEC et UDPS, le ministre Roy Komba Mayonde Philippe a demandé à ces derniers de favoriser les vivres ensemble. Quant aux hommes en uniforme, le ministre a exigé le respect du télégramme du commandant de la 22e région militaire, Edi Kapen. Nous avons conseillé tout le monde à Mitamiachi. Mais nous avons ma partie politique Mounene Apa. Nous avons encadré le créateur. Nous avons fait des jeunes à l'INAFEC et à UDPS. Nous avons l'état Fujo. A tout pende Fujo, tout la sigilizana. Commandant 22e région, général Edi Kapen, a chakufanya télégramme anasema, a chipende kona ma barrière ou balabala. Ma barrière ya basoda itabakia ni kuma frontière, koule tukona. Frontière ya Angola, frontière ya Zambie, koule balapashi, kuchungia ma frontière. Signalons que le ministre s'est fait accompagner dans cette tâche du directeur provincial de la lutte contre la criminalité. Trésor Mahamba a découvert sur place l'usage de faux documents, lesquels ont été confisqués et les fraudeurs arrêtés.